Et bonjour tout le monde, hein, dans une minute, même moins maintenant. Bonjour tout le monde, salut à Dougy, salut à ceux qui sont présents hein, sur la chatbox. Merci d'être présents, c'est cool. Donc j'espère que vous passez un bon week-end, hein, que vous avez passé un bon vendredi soir. Mon perso, oui, hein, je me suis bien amusé hier, voilà, hein, couché à 4h, levé 9h, voilà, un peu la tête dans le cul. Mais on fait ce qu'on peut. Donc on est parti, hein, comme j'avais annoncé, sur du Senseiya Soldier Soul chapitre Hades. Donc on va pas tout faire d'un coup parce que voilà, hein, on va se faire chier autrement. Hein, donc on va faire ça en deux parties. Une partie qui sera faite ici sur Plug and Play TV. Et salut à toi, Himalay 0757-0127. J'aime beaucoup ton pseudo, il est imprononçable. Je déconne, bien entendu. Bienvenue à toi. Passe un bon moment parmi nous. Donc voilà, et la seconde partie sera faite sur ma chaîne personnelle. Voilà. Bah ça va, écoute, ça va. Et toi, Edogi? Ah, donc pour ceux qui n'avaient pas encore vu, vous pouvez retrouver hein, les streams précédents des Senseiya, hein, donc les autres chapitres, hein, donc Sanctuaire, Asgard, Poséidon, sur ma chaîne YouTube hein, en replay ou sur mon blog hein, lcr-in-live.blogspot.fr. Hein, vous avez les replays également qui sont présents, donc n'hésitez pas. Bah tant mieux hein, si tu fais aller, écoute, c'est le principal. Hein. Donc comme ça fait en gros une semaine que j'ai pas joué, machin, je vais encore me prendre des déculottés. Hein, en même temps c'est le but. Hein, je vous cache pas que c'est le but. Parce que n'étant pas un grand gamer à la base, voilà, hein, si je fais des jeux de combat là comme ça, c'est bien dans le but de me prendre des dérouillés et puis que ça vous fasse rire surtout. Hein, c'est le principal. Donc je sais pas qui c'est combien on est, qui c'est qui est présent, quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes chaud patate, hein, pendant une petite heure là on va commencer le chapitre Hades. Donc je sais pas jusqu'où ça va nous mener, ça va dépendre du nombre de dérouillés que je prends bien sûr. Hein, ça c'est. Voilà, ça va de soi. Hein, si je gagne tout de suite, forcément, hein, on va avancer très vite. Par contre, si je me prends des dérouillés, ça risque de durer un peu plus longtemps. Hein, voilà. On s'arrêtera à peu près au milieu, je ferai la seconde partie, donc la seconde partie c'est la semaine prochaine, hein. Bien entendu, samedi prochain à la même heure, mais sur ma chaîne personnelle cette fois-ci. Bah c'est déjà pas mal hein, on est 4, c'est déjà bien hein, dis donc. C'est déjà cool. Ouais, on va commencer l'histoire, c'est parti. On va vite faire fermer la gueule à Athéna là qu'on entend au fond parce que merci, elle est gentille mais quand même. Hein. Oui. Mais oui, t'es une gentille fille. Mais oui. Oh là là. 243年前の聖戦でアテナによって封印され Ah, ça claque tout de suite hein. 閉じ込められていた冥王ハーデスの 108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため。ええ、ウェイ、ラ・ヌーヴェル・ギャーサン、コマンス、アロー。ここに来て訪れたのである。 J'espère qu'au niveau de l'image et du son tout va bien, hein, qu'il n'y ait pas trop de drop ou de trucs comme ça. Ce serait pas mal quand même, hein, qu'il n'y en ait pas. Ce serait bien cool. Est-ce que vous pourriez me faire un retour s'il vous plaît pour savoir si je dois faire des petites modifs vite fait avant que je commence au niveau du drop notamment hein, bien entendu mais pas que. Oh comme c'est mignon. Eh oui parce que comme je n'ai pas de deux écrans en fait là le jeu là il est en mode fenêtré hein, pour que je puisse lire le chat. Mais c'est surtout que je ne peux pas bouger la fenêtre. Quoi. C'est voilà, je suis obligé de faire un Alt Tab pour pouvoir voilà. Enfin, c'est un petit peu le merdier. Salut Skeleton. Salut. ここから西へ 1000km の彼方の秘境。そこには全聖戦において
アテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。Par contre, là, je suis en train de me rendre compte. Donc, ça va. Ça va alors. Doko, exactement, c'est Doko. Mister Doko. Il est badass, hein, le maître Yoda de la montagne sacrée, là, quand même. Il a quand même pas chipoté, il est badass, le nain violet là. Par contre, je disais, je me suis rendu compte que sur l'overlay, le chat n'apparaissait pas, donc je vais essayer de changer tout ça, de faire en sorte que ça marche, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, hein, voilà. Voilà, je crois que je me suis en plus planté, mais bon, ça ce n'est pas grave, hein. Bien entendu, ce n'est pas grave. Alors, il est où, petit, ah, la voilà, oh, comme il est mignon, le petit lien, c'est mignon un petit lien quand ça veut pas marcher, hein. T'as envie de lui mettre des coups de pied au cul, dis donc. Voilà, ça devrait certainement, je l'espère, aller un petit peu mieux. Alors, on est parti. Tu as de nombreux drops. Attention, là, ça commence. Il y a des drops. Alors, d'où ça pourrait venir? D'où ça pourrait venir? Salut Krakniten, comment vas-tu? Donc comme d'habitude, hein, 25 minutes pour démarrer, hein, le temps de faire les derniers réglages de dernière minute. Et de manger, de finir de manger mon chat. Et encore des poils, hein, comme d'habitude, c'est ma marque de fabrique ça. Alors, ça fait un peu Marge Simpson, hein, c'est marrant quand même. Est-ce qu'ils sont gênants là pour le coup les mini drops là? Parce que si c'est pas gênant à ce moment là hein, c'est pas gênant, on s'en fout. Donc j'ai baissé légèrement hein, le débit, on va voir si ce que ça change. Donc je vais m'éclaircir la voix une bonne fois pour toutes hein, parce que là ça commence un peu à me péter les burnes. Voilà. Et à vous aussi, j'imagine. Allez, c'est parti. Alors, donc Mou, enfin ou Mu, hein, ça dépend comment tu veux qu'on le prononce. Et Aphrodite, hein, en surplis, bien entendu. Allez, c'est parti. J'espère quand même que ça va, aller mieux, parce que bah, ça sera un peu con quoi. Mais c'est impossible. アテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえど、それだけは。バカめ。Donc Mu, hein, qui je le rappelle, c'est un marchand, hein, il répare les trucs, hein, voilà, c'est juste un vieux marchand de base, hein, un camelot quoi, hein. C'est un camelot clairement. Salut à toi Lilou, comment vas-tu? J'espère que tu vas passer un bon moment parmi nous. Nous ne sommes pas de votre guerre, Phantom. Nous avons reçu une nouvelle vie, un jurant. Allez. Toi, dans le film, je te ferai remarquer que t'es une espèce de marionnette dansante. Là, t'es une espèce de Travolta, mais modifié. Donc, s'il te plaît, Deathmask, tais-toi.
Même si Deathmask, en fait, il est quand même badass. Hein, pour, voilà, hein, enfin, dans la série. Parce que dans le film, c'est une merde. Mais bon. Je sais pas ce qu'avaient fumé à ce moment-là les scénaristes et les créateurs du film, parce que très honnêtement, je crois que c'est un mélange entre de l'afghan et de tout ce que vous voulez, parce que c'est juste une horreur. Il a pas bientôt fini lui avec ses roses de merde hein. Ah bah voilà, ça y est, ça commence. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, je vais me prendre une branlée. Ça, je vous l'ai dit, hein, c'était annoncé. Ça a été annoncé dès le début. Ah mais c'est qui se va bien le petit bonhomme là? Ah, faut que je reprenne le personnage en main. C'est rien. Voilà, j'ai quand même gagné. Non mais s'il te plaît, hein, je vais quand même pas me faire battre par un vieux poisson qui pue la marée, faut arrêter les conneries à un moment donné, non, sans déconner. Oui, bah oui, mais bon, voilà, hein, exactement, hein, c'est le chevalier du poisson, faut quand même pas se laisser battre par le chevalier du poisson, ce serait une honte, hein, on est d'accord. En plus j'ai gagné des trucs, c'est pas beau la vie. Ah, maintenant on va affronter la danseuse. Ah ben on sait que tu es mu du bélier, hein. On sait. Bah mais c'est gentil quand même de le préciser en même temps. Tout à fait. Oui, enfin dans la mythologie, hein, Hadès, lui, hein, on l'envoyait aux enfers gérer le domaine. Bah, il faisait son taf, quoi. Hein. Il en avait un petit peu rien à foutre de ce qui se passait sur son domaine. Hein. Voilà. C'était un très bon dieu, Hadès, hein, faut pas l'oublier quand même. Par contre, ceux qui l'accompagnaient, c'était des saletés, hein, clairement. Mais Hadès lui-même, non. Non. Ça a passé quoi, ça allait. Ah, bienvenue à toi Super Saiyan 87, bienvenue sur la Plug and Play TV, j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. On se fait la première partie de chapitre Hadès de Saint Seiya Soldier Soul. Ah bah dis donc, j'ai tout déverrouillé. Très bien ça. Je vais te casser les pinces. Oui, ouais, bah en attendant, c'est pas les pinces que tu nous casses, mais c'est gentil de préciser quand même. Ça commence bien, hein. On va dire que ça commence bien. Mais il a pas bientôt fini le taré en violet là? Hein? Non mais, sacré connard. Est-ce que moi je te tape? Enfin en même temps, oui, clairement, je suis en train de taper. Mais... voilà, hein, quand même, c'est, je sais pas, il y a des... やってやってやりませんか。
Il commence à m'énerver. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, je crois que je vais perdre, hein, là, pour le coup, je risque de perdre. Voilà, voilà, là, j'ai perdu, d'accord. Bravo, voilà, hein, il est badass, hein, Masque de Mort. Disons que c'est pas la vieille danseuse du Moulin Rouge qu'on a vu dans le film, hein, très clairement. Ah, il a arrêté de danser le cancan, hein, d'Offenbach, et maintenant, il y va, quoi, hein. Bah, si tu découvres cette chaîne, j'espère que tu vas l'apprécier, que tu vas passer un bon moment. Il m'énerve avec ses coups de pied, lui, c'est un truc de malade. Ah non, mais il est chiant, hein. Vraiment, il est chiant. Il est très chiant. Ah mais sans déconner. C'est un truc de fou. Et voilà, il m'a encore bien niqué la gueule là. Il est quand même balèze, hein, il y avait pas, hein. Salut Neil, comment ça va? Passez un bon moment avec nous. J'essaie de me faire Masque de Mort, hein. Alors autant avec l'armure V1 c'était coton, mais là voilà c'est... Hein, bah oui on va recommencer forcément, hein. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse d'autre? On recommence, allez c'est parti. Ah, en même temps c'est le dernier chapitre, hein. Je suis une quiche aussi, faut le dire. Non, mais, faut dire ce qui est, je suis une grosse quiche, donc ça aide pas non plus. Je vais lui exploser sa défense à ce connard là. Voilà, allez, va-t'en, espèce de vieux crabe. Alors on va repartir avec ses coups de patte. Ça il m'énerve, hein. Franchement son truc là ça me gave, mais alors comme je... Voilà, allez. C'est ça, c'est un chevalier du poney. Exactement, c'est le chevalier du poney qui a une corne, mais elle est pas placée sur le front celle-là. Exactement. Mais j'ai gagné quand même, hein, je te ferai remarquer. Le chevalier de Little Poney, tout à fait Super Saiyan, tout à fait. C'est le chevalier du Little Poney, du Petit Poney. Eh bah heureusement, ah bah voilà, heureusement. Ouais, bah il manquerait plus que je passe mon temps à me prendre des branlées quand même. Hein, faut pas déconner quand même. Hein, 5 minutes. En attendant, même si j'ai gagné, l'autre Little Poney il est quand même couché par terre. Il l'a disloqué dans le néon.
だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした？どこと？おっしゃられた。シノクにいない憎さ。まあよかろう。たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテ。 Salut Indoboy, comment vas-tu? On se fait la première partie du chapitre 13 de Saint Seiya Soldier Soul. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. On va éviter de parler de grosses conneries hein, comme je fais d'habitude. Hein. J'essaye d'être un peu plus soft hein, quand même. Ah, ouais, quand même, hein, quand même, quand même. À des limites quoi. Hein. Oui, enfin l'éternité c'est relatif. Si je me prends déjà une dérouillée là au premier compas, je vous explique même pas le bordel que ça va être quand je vais commencer à affronter de vrais ennemis, Hypnos et Thanatos. Bah exactement, c'est un chevalier d'or de chez Charal, bien entendu, tout le monde sait ça. Un chevalier d'or de chez Charal, il va finir donc en lasagne, tout à fait. Tu as parfaitement raison, Super Saiyan. Oui, enfin, avec plus de syllabes, peut-être pas, mais quand même. Allez, on continue. Oh là là, oh là 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 là, c'est hardcore. Là, c'est deux gros chevaliers quand même qui s'affrontent. Hein, donc Shura du Capricorne et Mu du Bélier, c'est pas, hein, c'est quand même pas rien là. Hein, voilà. Oui, non. Bah oui, il y a Radamante, mais en même temps, je crois que Radamante, à un moment donné, tu l'affrontes parce que t'es avec... Salut, Kingsu, parce que t'es avec Orphée. Hein, donc Orphée, étant donné que tu t'en sers jamais de ce personnage, bah forcément, dès que tu l'as en main, bah c'est cuit, hein, tu te prends dérouillé sur dérouillé, hein, obligatoirement. Donc salut à toi Kingsu, hein, passe un bon moment parmi nous, on est sur Saint Seiya Soldier Soul, chapitre Hades. Et ouais. Oh, petit follow, merci pour le follow. Eh, mais tout à fait. C'est toute notre enfance, les chevaliers du Zodiac, hein, avec Dragon Ball, bien sûr, hein, Dragon Ball Z. C'est notre enfance. Très clairement. アフロディーテと戦ってんなお Bah alors mon ami Bélier, qu'est-ce t'arrive-t-il? Voilà. Mais c'est trop ça. Le temps que j'arrive à battre un mec, tu peux aller jongler sur 40 streams en même temps. C'est trop ça. Ah bah, j'ai pas encore tout fait. Bah dis donc. Bah pourtant le Capricorne, je le voyais plus fort que ça. Alors j'ai galéré comme un vieux con, hein, faut dire ce qu'il est, sur un vieux cancer. Bon, c'est vrai que c'est, hein, là, hein, on sait que c'est difficile de lutter contre un cancer, très clairement, mais
Mais pas celui-là, quoi, non, sans déconner, merde. Ils l'ont fait danser en plus dans un film, c'est dégueulasse. Allez, maintenant, se tape Camus, un chevalier d'or du Verseau. Ah, ça commence pas trop mal, hein. Bye bye. Et voilà. Donc le verso s'est plié, hein, on passe au suivant. Alors pour ceux qui sont intéressés, hein, je y a pas de jeu là, hein, je donne. J'ai des clés Steam pour Game of Glory en version bêta fermée, hein, qui se termine demain soir à 23h. Donc pour ceux qui le veulent, me contactent en Wisp, enfin en privé, soit ici, soit sur Facebook ou sur Twitter, et je vous donnerai une clé. On continue. Oula. Ah, attends. Salut, docteur Lapinou, comment vas-tu? Comment vas-tu, hein, on retourne un petit peu en enfance là avec les chevaliers du Zodiac, Sensei Soldier Soul. Bah ça va bien, merci. Merci. Saga. Pas la même là. L'élève n'a donc pas encore surpassé le maître. Je peux pas trop te dire au final parce que bah, j'ai juste regardé des images un petit peu là sur sur Google. Enfin, sur Google, hein. Ça a l'air sympa. Après Presso, c'est pas vraiment mon style de jeu, hein, très honnêtement. Alors, en même temps, je suis assez casse-couille, hein, en termes de type de jeu, donc je suis pas forcément une référence à suivre, hein, bien sûr. Mais non, mais je pense que ça peut plaire. Enfin, de ce que j'en ai vu, c'est un peu une vue à la LOL, puis des combats à la Overwatch, des trucs comme ça. Bah, donc bah, pourquoi pas, enfin après ça reste à vérifier, hein, bien sûr, mais pourquoi pas. Donc salut CBN7. Donc je le répète, hein, pour ceux qui voudraient une clé Steam de Game of Glory en version bêta fermée qui se termine demain soir, hein, 23h, contactez-moi en MP, je vous la donne. Il m'en reste 5. Game of Glory, ouais. Ouais. Commencer cet épisode. Mais tout à fait. Hein, bien sûr, on va commencer cet épisode. Donc, comment vas-tu, CBN7, hein. J'espère que tu passes un bon moment avec nous. Que tu t'amuses bien. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant un petit peu les images, mais... Donc bien sûr, la proposition est valable après le live, hein, aussi, ça marche. Si quelqu'un la veut, il me contacte après le live aussi, ça marche tout à fait, je lui donne bien volontiers. Oh, saga.
Saga, c'est plus fort que toi. Non, c'est Sega ça. Et ben si, je suis également sur la plug, et même pour question pour un viewer, hein. Une fois par mois, question pour un viewer, viens sur la plug. Donc, celui de demain, il sera sur ma chaîne, et en fin de mois, il sera sur la plug. Savoir qu'on... à la fin du mois prochain, à la fin avril, gros question pour un viewer spécial Zelda. Donc ça risque d'être assez sympa avec bien sûr des giveaways spécial Zelda, hein, ça va avec, hein, forcément. Canon contre Saga. Il est quand même balèze. On déconne, ils sont quand même balèzes. Heureuse que les Tondok. Bah alors, Canon, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de prendre des photos, réveille-toi. C'est bien beau de faire la pub pour des appareils photo, mais quand même, hein. Je me prends une de ces dérouillées, les copains. C'est un truc de fou. Et voilà. Ah, en même temps, c'est Saga, hein. Ouais, hein, voilà, y'a pas photo, quoi. Hein. Saga, c'est Saga. Hein. J'accélère un petit peu qui parle. Parce que Saga maintenant. Bye, Saga. Saga, c'est plus fort que toi. Oui, non. Tout à fait, donc la fin. Tout à fait. Sauf pas là, hein. Ça marche pas pour là. Mais oui, mais tout à fait. Ah, un joli combat, hein. J'aime toujours quand les chevaliers du Gémeaux s'affrontent, c'est toujours un match très très serré, très intéressant, hein. Les vainqueurs n'est jamais celui qu'on croit. Ouais, j'ai encore remporté des titres, dis donc, on n'arrête pas le progrès, c'est magnifique. Va-t-il y avoir une suite? Mais oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut les appareils photo Canon, hein, pour pouvoir prendre en photo la brousse d'ailleurs, hein. Ça va avec, c'est normal.
あいつが、あの弟、私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと。ああ、バウ。まさか夢にも思わなかったぞ。だが、お前が本当に悪の心を捨て去り、純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。 Ce serait pas mal, parce que dans le cas inverse, on sera un peu dans le caca, quoi. Y a-t-il une suite, une revanche? Eh ben non. Par contre, j'ai gagné des trucs, ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui reste du coup? Oh là là. Bah, y a encore du chemin, hein. On est tranquille pendant un petit moment là, hein. C'est très bien. Très bien. On continue. Shura contre cette fois-ci Shaka. Shaka qui je le maintiens bien sûr et à égalité avec Saga. Pour moi ils sont les deux équivalents. Salut à toi Tazinou 37, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas passer un bon moment parmi nous. On est sur Senseiya Soldier Soul chapitre Hades. Donc là je me prends des branlées hein, bien entendu. Là hein, j'ai pris une dérouillée contre Saga. Après j'en ai remis une quand même hein, c'est chacun son tour. On s'amuse et voilà, c'est ça. C'est le principal, c'est que tout le monde s'amuse. Ah Shaka. Quand on sait comment il a eu son boulier Shaka, parce que son prédécesseur il a galéré hein, pour avoir son boulier. アテナの首を取ることだ。そうか。お前たちほどの男。Vas-y, vas-y. Non, pas trop. Ouais, j'ai un PC gamer mais qui commence à dater, hein, très honnêtement. Donc, non, il ne demande pas vraiment une grosse config. Mon PC il doit avoir 3-4 ans, ouais 4 ans je crois. Ou 3 ans, je sais plus, 3-4 ans. Et du coup, voilà, hein, le jeu est en sortie, c'était quand l'année dernière, au début d'année dernière il me semble. Ou peu de temps avant, du coup, donc voilà, hein, ça demande pas forcément une grosse config. Donc il n'y a pas trop de soucis, je pense que tu pourras le faire tourner. Je pense que ça peut en passer. Après, faudrait que tu regardes exactement parce que j'ai pas la config du jeu en tête, hein, bien sûr. Mais recherche un peu la config du jeu. Et, non, je crois que ça doit passer, mais à vérifier quand même. À vérifier quand même. よかろう。間違いなくホームってやるぞ。はいと。よかろう。自ら死に場所と定めた。サラセオズの元へ間違いなくホームってやるぞ。ああ、まあ、イコープンかめん、みんどりゃん。 Avec son machin bizarre. この世は諸行無常。これで終わりではあるまい。ルッタの生まれ変わりとなれるお前の真の力を。見せてみろ。ハーデスの義務を見下したお前に従う義理もないが、ここまで言うなら見せてやろう。 Ah, l'attaque ultime de Shaka. Châtiment du ciel. Ah ouais, ouais, il fait très mal, clairement. Alors il lui met une petite claque dans la tronche et voilà, il est gagné. Une petite calotte à travers son museau là au Capricorne est terminé. Bon combat de merde, hein, faut dire ce qu'il est, hein, voilà.
combat de boudin là, ça sert à rien. B comme boudin, bien sûr. Ça sert à rien. Pourtant c'était bien parti, hein. Ça se battait pas trop mal, c'était sympathique et tout, j'ai gagné un truc quand même, je suis content. Mais bon, la fin laisse ça de désirer, quoi. Ça laisse sur notre fin, c'est hein, un petit peu gâché, je trouve. Maintenant on va essayer de se les geler un petit peu en arctique, on va voir ce que ça donne. Et oui. Ça y est, j'ai pété sa défense. Bah alors chacun, qu'est-ce qu'il va foutre dans le ciel sans déconner, con quoi. Je vais quand même réussir à perdre, vous croyez ça? Sans déconner. Eh ben voilà. Ah ben là on se les gèle, hein, très clairement on se les gèle un petit peu, voilà. Ah Camus serait donc plus fort que Shaka. Bon non, quand même, faut pas déconner. Ouais, c'est parti pour l'attaque de Shaka. Sans déconner. Oh non, il m'a eu. Ah. Ah, c'est chier, ça. Oh non, je vais perdre comme une boude. Ah, il m'a eu encore une fois sans déconner. Ah là là. Ah là là. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas ce qu'on croit. Oh, sur le fil. Attention.
私の放つこの陶器の中、いつまで自由に動くことができる。運動を渡そうか。神よ、これだ。お前の五感、ことごとく奪ってくれる。そうはいかんぞ、シャカ。お前の亡骸は、サラ宗樹の下ではなく、この神よの陶器で氷漬けにしてやろう。変武放輪フリージングコフさあ、霊界に送り返してくれるぞ。どう、死ぬのは恐ろしい。愚問だな。一度は滅んだに、それだけ。死など恐るるに足り、その恐ろしさを教えるよ。なぜハーデスに下った神よ。Ah, je l'ai pris de plein fouet celle-là. J'étais légèrement concentré hein, jusqu'à maintenant. Hein, donc je ne parlais plus beaucoup. Parce que je. Voilà, hein, je pensais que j'allais encore perdre. Et ben là, non, je l'ai eu. Trop de cul. Et voilà. Allez, on continue. Eh oui, aïe, comme tu dis. Mais je l'ai eu quand même, hein, voilà, je l'ai eu quand même, très clairement, hein, voilà. Bon, maintenant on peut aller à la suite, c'est très bien. Par contre, j'ai toujours pas, enfin bref. Merci, Edogi. Oh là, ouh là là. Aïe, ça pique là. Oh, ça pique! Oh, que ça va piquer la mort! Oh là là! くどい。我らの目的はアテナの首のみ。それ以外にはない。どうしたシャカ。迷っているようでは俺には勝てない。かつてゴールド戦士の最強と言われたお前が相手ではこの人は無傷ではなめりろよかろう。受けよう我が子。あ、なめろ。むしプランテッドゴールド。Ah, ben t'as pis. Alors là, pour le coup, ça fait mal. Chacun son tour. Les trésors du ciel. Et voilà. Fini, saga. Là c'était pas mal. Hein. Bah, j'aurais préféré éviter de me taper l'attaque dégueulasse qu'il m'a envoyé. Hein. Mais bon, hein, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. C'est bien. Je suis content. Donc j'espère que vous vous amusez bien. Hein, que vous êtes content de me regarder prendre des branlées phénoménales. Ça serait sympa hein, de dire ah t'es un gros nul machin. Hein, parce que au final, parce que je le sais. Hein, donc voilà. Donc ça m'amuserait. Allez les trois en même temps maintenant, hein, on est des fous. Kono tenbu hōrin ni kakatta ijō, mohaya omae tachi wa semeru koto mo nigeru koto mo fukanō da. Shimatta! Wareware wa shaka no jutsu ni hamatte shimatta no ka? Watashi o taosu tame. お前たちに残された唯一の方法は、ah, bah, si ton côté sadique apprécie, c'est pas mal, c'est déjà bien. 何？あれとは？
まさか。そうだ、ゴールドセイント究極の影の東方アテナエクスクラメーション。non. Très clairement, Edogi, non. Je suis non. Non, non, je perds lamentablement contre Camus. Je défonce Saga en un seul coup. Non, je suis une buse, hein, faut dire ce qui est. Ça aurait été l'inverse, j'aurais compris, mais là, non, c'est pas normal. Quoi. Ah, l'Athéna exclamation. Matasana. Athéna exclamation. Où y'a-t-il si matra? Où est-ce que tu as mou? Saint Odata Akashi au Hakdat Sare. Si je t'ai noté, Mirai Ego. Zokno Lakun Yo Sarete Shimano Tasso. Wale Wato Atemo. Athéna no Motoi Kanebanaram. Sono Tamenara Yoro Konde. Saint no Namo. Meyomo.捨てるべきではないのか。そうだな。我らは一度死んだ身。卑怯者の素知りも甘んじて受けよう。行くぞ釈迦。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代より宛名に禁じられた究極の影の東方。 Salut Swaggy Girl, bienvenue sur la Plug and Play TV. On se fait du Sensei Soldier sur le chapitre Hades. Donc je perds, de temps en temps je gagne, de temps en temps voilà. Bienvenue Skywall Girl, par contre j'avais dit Swaggy, pardon. Bienvenue à toi sur Skywall. Sky, amuse-toi bien. Oh, vent sacré, porte-le à Athéna. Et voilà. Allez, maintenant à Shura contre Aeolia de Lyon. Ah, ça peut être un combat intéressant. Ça pourrait être un combat intéressant. Oups, le lapsus, que, comment ça, Indoboy? Non, mais en fait, j'ai vu un S avec un W, mon cerveau, il a mis Swaggy. Va chercher. C'est l'habitude. C'est même pas réellement un lapsus, là, c'est le cerveau qui est déconnecté. Comment vas-tu, ma petite Sky? あえて打たなくても良いのではないか。釈迦がなぜ死んだのか。そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするの。無よ。視力不快言葉結構だ。しかし、目の前で同胞が殺されているのを見て、何の行動も起こせない奴は、もはや男として認めるのか。ばいこっとさわ。さわ、びゃん、さわ、びゃん。 En live jusqu'à 4h, même un peu plus de 4h du matin, levé 9h, un peu plus de 9h, hein, entre 9h et 9h30. Donc ça explique aussi hein, que je prenne des dérouillés pas possible. Hein. Je pense qu'il y a une partie du fait que je sois une grosse quiche aujourd'hui, ça vient de là, hein, très clairement. Voilà. Ah, le lion! Ça va, que lui il est quand même balèze. Ah le. Ouais. Ah oui, mais bon, quand il prend un coup à travers la gueule, très clairement. Ah. Bao. Comment il a fait ça, l'enfoiré? Terminé. Ah, c'est pas beau ça.
Ah, c'est pas le lion et le renard, là, le rat, hein, attention. Là, l'insecte, il s'est fait crabouiller, voilà, hein, ce qui est parfaitement normal. Le lion et le renard, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette femme de merde, ça pourrait être marrant en plus à faire. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai niqué mon pouvoir machin, hein, voilà, j'ai vu jouer au malin et je me suis fait légèrement, très 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 légèrement maraver la gueule. Mais il est si fort que ça, Camus, en vrai, parce que là, franchement... J'avais pas de souvenir là, hein. カザカミにも契約だめ。我、今は俺だけ。アテナの元へ突き進む者一人に残るか。お前たちは、それだ。約束どもが。今お前に語れることは何もない。覚悟しろ、カミよ。俺は行くぞ。人目の死に場所だ。バイオリア、私はまだお前に触れるわけにはいかぬのだ。 Voilà, allez. Reprends la manette des mains de ton pote de combattif et de gagner. Oui, bah oui, mais il vaut pas. Hein. Et maintenant tu peux mettre 3 combats de suite de gagner. Ah, il veut pas, il veut pas. Par contre, je débloque toujours pas tout le truc, hein. Marquerait ça quand même. ああ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでに、たとえ果てでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻むものは、たとえ誰であろうと、釈迦のように殺して通るまで。面白い。ああ、ミロディスコーピオン。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。 Milo contre Saga. Bon, là par contre je vais perdre, hein, très clairement. Ah, c'est Milo quoi, hein. Il est sympa tout ça, mais face à Saga, faut pas déconner quoi. Ah, quoi que. Bah, faut croire que pour le moment je suis bien parti. Ah bah là c'est lui qui m'a eu. Là aussi, hein, donc, il est en train de se venger des premiers coups que j'ai mis. Oh, il m'a fait disparaître. Quel vilain garnement. Ah mais là c'est la fin. Là c'est la fin. Antares. Bon bah un combat de plus de gagner au premier coup, hein, c'est très bien, c'est très 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 bien. Donc j'en profite, hein, pendant que, bah, que hein, on voit que j'ai gagné et tout ça, j'en profite pour remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui, c'est cool, merci à vous. Et n'oubliez pas, donc, je répète, pour ceux qui veulent une clé Game of Glory, hein, contactez-moi en MP,
C'est une bêta fermée qui se termine demain soir. Donc j'ai encore 5 clés disponibles. Donc pour ceux qui en voudraient une, contactez-moi en MP, en Wisp, etc. Facebook, Twitter ou sur Twitch. Je vous la donnerai bien volontiers. Et demain, question pour un viewer, hein, aussi à ne pas louper. Ouais, c'est ça, je me suis dopé. Mais ça, c'est à l'insu de mon plein gré. Demain, donc, question pour un viewer hein, sur ma chaîne personnelle. Voilà. Question pour un viewer. Hein. Classique, hein, pour le moment, il n'y a pas de thème. Le prochain gros thème, ce sera sur la plug and play. Ce sera le 23 avril avec du Zelda. サンミ一体のあの構えは一度犯した禁断の技今更何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ。何か忘れてないか。こちらにもゴールド・セイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。ああ、バカだ。そう。 Et oui, GG pour le level Super Saiyan. Big Bang, c'est cool. Et GG in the boy pour le level aussi. Bravo, GG. サガ、そんな愚かな技の賭け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するなら、アテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな。 Et ben oui, forcément, ça détruit très, très, très légèrement le sanctuaire. Disons que ça fait un trou, quoi. De Gainsbourg, il serait content en même temps, hein, des petits trous, hein, mais là, bon. Eh oui, c'est vrai qu'il est. Lui, il faut voir qu'il se mette tout nu s'il veut rivaliser, mais sinon, ils sont là aussi, hein, faut pas les oublier, quoi. Ils sont présents. Oh là là, des lettres de sang sur les tables, oh là là. Shaka ga watashi ni takushitaku. Arayashiki. Shaka. Yatto wakarimashita. Anata no shi no imi ga. Et dire que nous on galère déjà à faire avec nos 5 sens, mais eux, ils en ont 7, 8. C'est des voilà, c'est des dingos. Hein. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah, on va se faire le temple d'Athéna. Et je pense qu'après, on pourra s'arrêter là. Parce qu'à mon avis, vu le temps que je vais passer à faire le temple d'Athéna, on pourra stopper le live là. Il sera bien 3h30, facile, hein, très clairement pour le N'hésitez pas non plus à hein, passer de temps en temps sur ma chaîne perso, hein, je fais un peu de Skyrim en ce moment là. Pas trop longtemps, hein, puisque j'apprends, en général on papote, on parle de tout et de rien, mais voilà. Et n'hésitez pas à follow la plug and play, bien entendu. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le vite. On est une petite douzaine de streamers et bon, on fait un peu de tout. Il y a vraiment un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ça sera toujours sympa, merci. Alors le jour où on voit quelqu'un dans la rue courir comme ça, appelez vite les flics et puis l'hôpital psychiatrique le plus proche. Parce que si un jour quelqu'un court de cette manière dans la rue, il a un sérieux problème au niveau du mental. Hein, je vous le dis comme ça. Hmm.
Oui, j'ai passé 2 heures sur un dragon, exactement, tout à fait. D'ailleurs, en fait, j'ai fini le jeu, je savais même pas que j'avais terminé, mais c'est pas grave. Mais il y a encore plein de quêtes que j'ai pas découvertes, que je n'ai pas encore faites, et puis finalement, moi, tant que j'ai pas tout fait dans ce type de jeu, je continue. Plus il y a les ruines et tout, je suis à peu près persuadé qu'on va apprendre un tas de choses sur les Djoumer, comme j'avais appris un tas de choses sur les elfes à l'époque d'Oblivion. Donc forcément, il y a encore du boulot. Oh, mais en même temps, il s'attaque au grand pop, il est complètement fêlé le poney, là. Retourne dans ton ranch à Dallas, faire des cochonneries à JR, là, parce que ça sert à rien, on n'est pas dans Dallas. Oh là là, le super pouvoir de la comète de Pégase qui fait exploser le bélier, mais ça ne suffit pas, bien sûr, puisque je suis un chevalier de bronze de merde qui tape donc comme une merde, bien entendu, avec le rang, mais qui gagne quand même au final. Voilà, et là, Super Saiyan va dire vite appeler les médecins qui fassent des tests ADN et des tests sanguins et d'urine parce qu'il doit être dopé à mort. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est pas faux. Je suis dopé en ce moment à l'adrénaline, hein. À la dopamine aussi, puisque je n'ai quasiment, j'ai pas assez dormi, donc je suis sur les réserves de sommeil. Donc quand c'est comme ça, en général, il y a l'adrénaline, dopamine et endorphine. Qui sont générés par le cerveau et qui te droguent à mort, quoi, hein, très clairement. Donc c'est pas faux. Coucou Sansa, comment vas-tu? Bienvenue chez nous, hein. Bienvenue sur le Plug and Play, on se fait du Senseiya. En plus, c'est toi qui me l'avais offert, ce jeu, donc je te remercie encore, hein, au passage. Une fois de plus, mais une fois n'est pas coutume, je peux dire que tu mérites amplement ces merci. On lui a promis une belle blonde s'il gagnait. Elle sert. Oui, enfin une blonde, une rousse, une brune, peu importe, hein. Je suis pas regardant, moi, personnellement. Finir le ménage. N'aurais tu pas des origines portugaises? Tu finis le ménage. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait sans ça? T'as cassé un truc? T'as aspiré le chat dans l'aspirateur? Qu'est-ce qu'il y a? Très bonne question. Moi, du moment qu'il y ait un partage à tout type de niveau, moi ça me convient. Bah du tout, je dis pas que des trucs sur toi. En plus, j'étais encore une fois remercié pour m'avoir offert ce jeu il y a à peu près un an. Merci à toi. Le seul truc qui est un peu regrettable dans le jeu, au final, c'est qu'il n'y ait pas de chocobo en forme de poulet géant, de grosse dinde, là, qui vole un petit peu, apparemment.
que tu arrives à faire avancer en tendant un vieux chou-fleur au bout d'une perche. Mais à part ça... Donc ceux qui regardent un petit peu les streams de Sensation ont compris la référence. Parce que Booster Sansa joue énormément à Final Fantasy XIV, hein, donc n'hésitez pas à passer le voir aussi. Athéna no chi niyotte yomigaetta. Sore koso masashiku saikyō saigō no kurosu. Watashi ni kamau na. Omae tachi wa sugu ni Hades. Dirigez-vous vers le château d'Hadès. Apportez cette armure à Athéna. Coûte que coûte. Oui, monsieur. Wakatta. Ah, mais d'accord! C'est pour ça que, comme ça que tu le fais voler! D'accord! Et oui, Edogi joue à FF14, tout à fait! Tout à fait, tout à fait! Et c'est même bien sympa! Moi, j'aime bien, hein. Personnellement, j'aime assez! Ah, le voilà, Doko! Nani? Sugu mata aeru? そうだな。243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても、苦にはなるまい。また会う時まで。さらば、友よ。Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, hein. On fera là, parce que là on va arriver à une nouvelle partie, hein, de la partie du chapitre Hadès, hein, donc on va stopper ici. On a fait la partie sanctuaire de la partie Hadès, donc je récapitule très rapidement tout ce qui se passe. Déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à follow Plug and Play TV. On a une douzaine de streamers, hein, y a Mac, Sensation, Skywalker, Croc Mitten, voilà, on est une douzaine, on stream un peu de tout, donc n'hésitez pas à follow si ce n'est pas encore fait. Ensuite, donc sur Plug and Play. Le 23 avril, question pour un viewer spécial Zelda. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, question pour un viewer, ce sont... donc il y a des giveaways à gagner. Ça se déroule en deux parties, il y a trois manches. Donc chaque première manche, hein, chaque manche se déroule avec trois joueurs. Les joueurs vont choisir une catégorie, etc. Enfin, sauf dans les spéciaux, hein, bien entendu. Dans les questions pour un viewer spécial. Donc le joueur choisit sa catégorie, une série de 5 questions lui est posée. Celui qui a le plus de points à la fin de l'interrogation des 3 joueurs part en finale. On fait ça 3 fois d'affilée et ensuite il y a la grosse finale qui permet d'avoir le gagnant. Voilà comment se passe un question pour un viewer classique. Maintenant le 23 avril, comme c'est un question pour un viewer spécial Zelda, là, c'est les premières manches, c'est autant de questions posées jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à 5 points. Voilà. Et idem pour la finale. Donc, je répète, 23 avril, question pour un viewer spécial Zelda sur Plug and Play TV. Ensuite, on a demain, sur ma chaîne personnelle, question pour un viewer à nouveau, mais en classique cette fois. Il y a 4 catégories, histoire, antiquité, mythologie, cinéma, télévision et jeux vidéo. Donc, le principe reste le même. La semaine prochaine, samedi, on va avoir donc la suite, hein, de Saint Seiya Soldier Soul chapitre Hades. Donc on va continuer, mais cette fois sur ma chaîne. Et on finira, le chapitre Hades sur Plug and Play, peut-être dans 2 semaines, je sais pas. Je verrai encore, j'ai rien prévu. Mais pourquoi pas. Ensuite, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que font, hein, les autres streamers qui sont sur cette chaîne. Hein, je pense notamment à Sensation et à Skywalker.
Skywalker, qui l'autre fois nous a fait du Oblivion. C'était vraiment un grand moment, hein. C'était vraiment sympa de pouvoir replonger dans le monde de Cyrodiil et de découvrir ou redécouvrir un petit peu ce jeu emblématique de la série des Elder Scrolls. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end. Quant à moi, comme je l'ai dit, on se retrouve demain sur ma chaîne personnelle. Et d'ici là, je vous souhaite et vous dis bye bye tout le monde. Amusez-vous bien.